Alors, moi, je trouve que la French Tech, c'est une initiative qui est absolument formidable parce que ça cristallise en fait un certain nombre de projets, un mouvement, des énergies qui ont besoin d'une marque pour se retrouver. Et cet écosystème français qui maintenant produit des jeunes pousses et des sociétés de plus en plus intéressantes et qui vont devenir probablement des grandes entreprises européennes de technologie, elle avait besoin de ça pour se catalyser. Alors effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde où la technologie est essentielle pour transformer des industries et la France et les entreprises françaises ont une capacité à participer activement à ces transformations. Mais pour cela, il faut qu'elle se dote de nouvelles ambitions et d'un projet plus global. Moi, je pense que ce qui nous manque encore à nous, les entrepreneurs français, c'est tout d'abord cette ambition très forte. C'est de se dire, non, on ne va pas juste créer des entreprises européennes, on va créer des géants globaux qui vont être numéro un, et pas juste un numéro 1 européen, mais un numéro 1 sur l'ensemble du marché mondial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les entrepreneurs français reconnaissent que pour y arriver, il faut se donner une dimension globale dès le premier jour et donc aller s'extraire en fait de juste le marché français qui, d'une certaine manière, est assez grand pour effectivement maintenir une belle société, mais qui n'est pas suffisamment important pour créer ce géant mondial. Et qu'il faut que ces entrepreneurs se disent « Ok, je reconnais qu'il faut que j'y aille très vite, j'aille conquérir les grands marchés homogènes tels que les États-Unis ou l'Asie, et je n'attends pas forcément 10 ans pour commencer à le faire. Je dois le faire très très vite. » Les entreprises qui ont réussi dans le passé, comme Business Object dans ses premiers jours, comme Talend, comme d'autres, les entrepreneurs se sont dit on va y aller dès la première année, on va aller s'implanter dans les marchés qui sont les plus prometteurs, qui ont la plus grande taille. Donc comment est-ce que la French Tech peut vraiment aider à ce mouvement? Moi je pense que c'est une marque qui justement donne un guide aux entrepreneurs français, donne une inspiration en se disant j'ai envie de promouvoir la technologie française dans le reste du monde. J'ai aussi tout un nombre d'autres entrepreneurs qui ont cette ambition, qui partagent cette ambition avec moi. J'ai des gens qui m'aident, de la French Tech, qui m'aident pour justement trouver les codes, pour trouver les partenaires, pour aller parler avec d'autres success stories françaises, d'autres modèles qui ont réussi avant moi. Et petit à petit, bah, qu'on crée un vrai mouvement et qu'on puisse, à partir de ce mouvement, remettre la France au centre de l'innovation et au centre des nouvelles entreprises qui vont influencer et impacter la technologie mondiale.